J'étais là en tant qu'ami et surtout en tant qu'avocat. Et donc j'ai pu mesurer le courage de l'homme et en même temps sa détresse. C'est vrai que cette affaire, ça a été pour lui un drame absolu. Un drame intérieur, un drame pour sa famille, un drame pour lui. J'ai une pensée bien sûr pour sa femme, sa fille Florence et ses deux fils. Ça a été un drame absolu. Une fêlure, une cassure intérieure. De 2003 à 2005, tous les dimanches j'étais chez lui, oui. Tous les dimanches, on faisait le point. Il avait sans doute besoin de, pas de conseils, parce que bon, il était assez grand aussi quelquefois. Le conseil juridique peut-être, mais bon, mais pas que moi aussi. Hein. Mais bon, voilà, on envisageait les solutions, on a beaucoup parlé à ce moment-là, beaucoup. Ce qui n'était pas arrivé d'ailleurs quand j'étais son adjoint à la mairie, ce qui était normal. Le tempo était différent. C'était à l'époque à la mairie, bon, c'était le patron et nous étions ses adjoints. En 2003, c'était beaucoup plus affectif.